Bonjour à tous, c'est Et Lozarkeur Shadow. qui vous parle donc pour la 14e partie de notre vidéo construction consacrée toujours encore au Ninjago City Gardens, un modèle Lego Ninjago sorti en 2021, référence en 1941. Et donc, justement, on va continuer la construction. Hein. La dernière fois, on avait monté, on avait introduit un peu eh bien, les hauteurs voilà, de notre bâtiment. Après le vieux monde, après le nouveau monde, eh bien, les hauteurs, les voici. Et donc, elles vont continuer tout de suite. Donc, je te laisse Bien sûr. effectivement commencer à ouvrir les sachets. Bien sûr, ça. Non, je sais. Donc, à nouveau, des petits sachets. J'ai fait un tas, tu peux le reprendre ton côté. Merci. Et donc on aura, pour commencer, Voilà. une figurine. Oh, mais qui c'est que c'est comme figurine? C'est le deuxième meilleur ninja. Oh, derrière qui? Bah derrière Jay, bien sûr. Ok. Hop, Donc. c'est Cole en tenue de civil Civil. avec des genoux ultra sales. Je sais pas trop pourquoi. C'est censé Bah peut-être oui, c'est. représenter un pantalon décoloré aux genoux, non? Ou qui s'est marqué, peut-être qu'il a se met beaucoup de ses genoux et puis qu'il a usé les genoux, quoi. Tu le montres un peu, non? Oui, tu le montres bien, comme ça. Voilà, et donc il vient avec toute l'expression faciale du film. C'est ça, bah c'est la figurine du film, Et non? Parce que ça, c'est pas nouveau, ce truc-là, non? je... C'est pas Non, la je... figurine de la série de Minifig? Il avait pas un truc comme ça? Un peu similaire, mais je pense pas que ce soit la même chose, exactement. Et il vient avec. Une petite manette, The Exactement. Prime Empire. C'est ça. Voilà. Et donc, je vais pouvoir laisser ça sur le côté. Voilà. Plus là-bas d'ailleurs. Et donc c'est votre convertible ninja jusqu'à présent. Oula, alors on Deuxième a en fait, non? eu. Ben non, puisqu'on a eu Jay, Nia. Ah, le Jenya, On a Kai. eu Kai. Et là on a Cole. On a Cole. Et on va sûrement avoir un Il autre reste ninja encore. voilà, il reste deux ninjas Ah justement bah dans oui, le on set. les a tous dans le sachet, dans le set. On les a D'accord. tous, ils sont tous là. Ils sont tous réunis. Et donc, Allez. commençons notre construction avec du turquoise. Web. Hop. Et on va prendre encore du turquoise. Je vais mettre un peu plus ici. Ouais, peut-être que ce sera plus simple. Tu me Hop. dis, hein, c'est bon, bien Non, sûr. je veux bien celui-là. En fait, c'est juste moi qui vais me centrer. Hop là, voilà. Ce D'accord. sera très bien, comme ça. Oh, il y a des. Enfin, il y a en tous les cas un. Alors déjà, il y a un rocher bleu. Et Effectivement. puis il y a un petit. Oui. Alors. Alors, je pense que comme sur la partie précédente, en fait, on va faire principalement de la structure. Hein. Oui, ça semble bien parti pour. Après, J'ai on... fait du pro, tout ça. Non, c'est bien, ok. Non, pas trop en fait. À moins que. Ah, d'accord, il y en avait trois, autant pour moi. Toutes ces plaques et si peu de temps. Et encore Ah, plus de plaques, encore moins de j'avoue. temps. On va donc 4 x 8. Ouais, bon. Ah oui, c'est. Par contre, là, je sens que peut-être le sol va être directement rattaché à la structure, à l'inverse, contrairement à la première construction qu'on a faite à ce niveau-là. On a d'abord le sol et ensuite une structure qui se mettait par-dessus le sol. Oui, c'est possible qu'on Et là, fasse je tout en vois même que temps, voilà, c'est ça. contrairement en effet au temple qu'on a fait juste Et genre, avant. on ne répète effectivement la partie des fondations qu'on peut dire, qui se fait directement tous sur la même plaque. En tout cas, ça semble partir Dans dans cette cette direction-là, direction. en effet. Classique, on met la pièce en dessous. Pour former sûrement la forme que prendra le sol à la jonction avec le musée, à Là, par mon contre, il n'y a pas avis. une petite erreur. Ah non, ça, après Non, pour le moment, c'est ça. que tu, okay. Ensuite, tu as Que tu distances ça. socialement les plaques entre elles. Et elle se décale ici. Comme ceci. En dessous, on n'oublie pas une petite pièce, une par une, qui n'est pas là apparemment. C'est la grève, cher. La grise. Ah bah elle est là, si.
qui va venir s'installer juste là, Uh-huh. qui va venir chillax très très loin de celle-ci là. D'accord. Donc elles sont pas trop en fait. Non, non, Donc assez vite. c'est ça. Ça arrive, hein? Alors, là, c'est la fête aux pièces avec rainures. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses là. Moi non plus. Mais c'est ça la beauté du truc. Tu peux le mettre en bras rouge devant lui. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Je crois que j'ai compris. Alors, ça, c'est bon. Mais par contre, on couvre aussi cette partie-là avec là une barre de classique. C'est un petit Désolé, peu dur désolé, c'est de pas compliqué. voir. Hop, on a tout ça donc. Oh! On a cette pièce-là. On va construire ça directement à même là. La structure C'est ça. comme des pros. Comme des gens qui suivent pas les instructions, surtout en fait. Mais Exactement. Voilà. la raison. Voilà. Et qui ensuite s'explose Non une mais voix. c'est de la faute de Lego de toute manière. Mmh, C'est absolument pas la faute, voyons. je pas. Bien sûr. Ok, on a un truc propre, on sent Alors. quelques accroches. Oh. Alors, non, ça va cette pièce-là. Pas tout le monde qui la connaît, je pense. Alors c'est des pièces de lunettes de Brickheads. Birikids, merci. Et là, il y a une accroche tenon d'ailleurs. Oui, une accroche anti-tenon. Mais je pense qu'elles sont parues juste pour les cases en premier, celles-ci. Celles-ci, elles sont apparues pour les vraies cases en premier. Ouais. Alors, de ce côté-là, on va Mais avoir. forcément, ça fera pas des lunettes géantes, ça fera des barrières. Ouais. Qui sont plutôt jolies, hein. Oui, très propre. Petite pièce avec tout le monde en En façade. façade. Et ensuite, Là, on aura on va monter un peu une arche. en taille de pièce. Et pas qu'en taille, on va juste monter tout court dans la construction. C'est une très bonne idée de vouloir enfoncer ça pendant qu'on. Alors, il y aura une par quatre, et on va prendre une autre arche. Ici, j'ai dit viens ici, merci. Et on va aussi prendre une pièce une par une qu'on va installer en bas. Et une brique une par une, je vais y arriver. Hein. Oui. On va installer ça ici. Ici. Ok. Et donc vous pouvez voir que cette partie est alignée et cette partie est alignée ici aussi. Et d'ailleurs, on va aligner cette partie-là avec ça grâce à ces deux Oula. pièces. Et voilà, celle-ci. Donc on a notre mur qui est aligné de ce côté-là. Là, à ce niveau-là, on va prendre cette pièce qu'on va placer comme ceci. Voilà, one piece Et on aura un cadre de porte ok. Pourquoi tu penses avec. qu'on a une sorte un peu de retrait comme ça, un peu mieux? Je sais pas trop, mais par contre, ça s'aligne avec le cadre de la porte, donc je pense que c'est un peu voulu. Ouais. Mais je sais pas du tout ce qu'ils veulent en faire de. Ça me semble bizarre de rentrer par là déjà, premièrement. Parce qu'on n'a pas vraiment de. Enfin, c'est peut-être pas une entrée après, hein, mais. On verra. Alors, on a Et ensuite, tu vas t'occuper une pièce d'un circulaire avec côté. un trou circulaire qu'on va placer On va pousser sur ici, ce côté-là exactement. avec On va des prendre petites plaques comme des pièces ça. avec clip qu'on va. Tac. Ouais, j'ai plus les deux déjà. Alors, oh, on va avoir ici une petite construction. Ah, tu les as sortis déjà, très bien. Toute lisse, avec juste là cette petite pièce marron. On n'oubliera pas apparemment une phare de. Il y a une part d'eau. Oui, alors attends, je la vois pas là, une part de grise. Il me semble qu'elles étaient là à la base, mais. Nickel. Elles sont peut-être là, non? Non, c'est une part 4. Mais elles sont pas là. Ah, elles sont là. Enfin, Non. elle est là. Ah, je pense que c'est ça, d'accord. Moi, je parlais plutôt des pièces lisses, en fait, des tailles. Je vois pas sur les tailles une part de grise. Elles sont là. D'accord. Je me demande si ça va servir à mettre une autre barrière. Peut-être. Je
Juste là, on va faire ce qu'on a fait sur pas mal de petits modèles jusqu'à présent. Oui. On va hop là, J'ai envie de mettre dire merci les designers Lego pour ces pièces qui vont parfaitement avec, qui suivent parfaitement la diagonale. On l'a vu en plus dans les différentes structures passées que des fois ça ne suit pas en diagonale en fait. Oui, ça Donc faisait, si. bah, grâce à ces pièces-là, ça faisait des espaces, des petits triangles dégoûtants. Mais là effectivement, avec cette pièce-là, tu peux faire des trucs propres, quoi. Pièces qui ont déjà une Ah, diagonale. on va avoir un autre pilier. Alors, il faut trois briques grises. Sachant que donc les tenons, alors déjà on va pas oublier ça, mais les tenons ils vont aller vers l'intérieur de la structure. Ouais, donc Et là, cette séance là, donc on n'oubliera pas de prendre cette barre avec deux tiers cruciformes et un tiers circulaire qu'on enfoncera ici. Donc on a une roue dentée juste à côté de la porte. Ok. Il se passe des choses, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, Peut-être un mais il se passe des mécanisme. choses. Ensuite. Donc trois fois cette pièce, il l'aime cette pièce, hein. Purée, Oui. c'est impressionnant. Mais de façon un peu moins orthodoxe, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. On va voir ça. C'est plus celle-ci qui me semble un peu utilisée bizarrement, puisqu'elle est placée comme ça. Donc en fait, elle sera principalement utilisée pour la petite pièce qui est derrière, en fait, je pense. On a ça comme ça. On va voir. Ça rappelle un peu les couleurs de Nindroids. Ah ben non, maintenant je suis bête, c'est C'est un peu Inagami, jouffrant, hein, oui. avec le teal et le. Et donc ça va se positionner juste C'est ici. orange transparent, on a gagné. Orange transparent, turquoise, gris foncé et métal foncé. Par contre, le rose remplace. Ah oui, effectivement, c'est lui, on le place effectivement à perpendiculaire. Ça, c'est intéressant. Ouais, je Selon pense. pour le détail. Et dans la pièce rose, on les avait retrouvés déjà à l'époque sur le pilier qu'on a construit pas tout au début de la construction. Oui. Est-ce que tu te souviens, ça remonte à peu près il y a 10 ans? Eh bien, Oui, je me souviens. Zeist. c'est pas un temps immémorial. J'ai essayé cette petite pièce rose transparent à ce moment-là. Voilà, tu m'en fais la fois deux en fait. Pas exactement, mais ça y ressemble en effet. C'est bon, t'as fait le petit trou. Wow, je devrais pouvoir me débrouiller, oui. La charnière est ici. Les petites pièces transparentes qui rendent particulièrement bien, bien entendu, hein. Voilà, et donc ça va venir se positionner ici. Et donc, Hop. rappelons que nous aurons un tenon ici, hein. Bizarre qu'on ait une pièce bleue qui ressorte, mais je pense que ça sera caché. C'est possible en effet. Alors, on va peut-être mettre le tout à niveau Voilà. avec cette pièce-là, quand même. Ça va un peu rattacher tout ça. Et on va faire un petit pilier. Une petite arche, en fait, plus qu'un pilier. Qui va venir se positionner ici. Et donc, j'imagine qu'on aura la contrepartie en face. Oh, tu vas avoir le droit à un beau sticker. C'est celui de Space Police qui va venir se positionner sur cette grande pièce. Et moi, je vais continuer la construction pendant ce temps. Est-ce que ça reste un système de trucs que tu peux déplacer, enfin que tu peux Alors, je ne sais changer pas ça? s'il va se déplacer, mais en tous les cas, Un peu comme il y a quelque l'électron. chose qui se passe, quoi. D'accord. Là, on va renforcer un petit peu notre structure quand même. Parce que nos murs, ils tiennent pas très très bien. Donc, autant les renforcer. On n'oubliera pas cette petite pièce-là ici. Là, la pièce lisse, mais toujours en turquoise. Une petite une par une. Et ici. Il doit être posé là-bas, là. Ça, c'est généralement pas bon signe, hein. Non, mais bien posé, ça l'air pas trop quoi, mais Ça te stresse?
Je peux faire la sans moi. Oui, absolument. Pour le moment, je peux construire seul. Pas dans l'ordre, mais seul. Hop. On va prendre cette pièce. Et sur cette pièce, on va placer donc un manche de sabre laser. Et le Killer est en train de rater la meilleure partie de la construction. Ah, vraiment Vraiment. dur. Et donc ça, on va le placer ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on tourne la roue? Ça crée une échelle vers Oh, la raison le inférieure. bâtiment. Ah oui, d'accord, on sait. Ouais, ça bouge un peu pour l'instant, mais c'est pour ça qu'on a mis la pièce là, effectivement. On a mis le renfort. C'était donc pour bien caser la pièce. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, d'accord, oui, ah, ça c'est bien aussi. Alors, prenez donc ça qui va se situer en effet entre les pièces avec charnière sur les côtés. Et donc ça va bel et bien cacher ce que tu disais. Et on prend ça pour le On n'a pas bloquer. vu. Ah, excusez-moi. C'est la petite pièce là. Le petit verrou qu'on utilise pour bloquer. Bon, ça cache un petit peu le poster du coup, mais. Et donc, ouais, ça reprend effectivement le système de pubs qu'on pouvait interchangeable. Même s'il n'est pas fait de la même Là, manière, si, mais non, en non, non, effet. c'est ce que j'allais dire. Mais ça reprend dans les deux villes. On va faire Parce que une maintenant, il y a plein de fois. panneaux interchangeables. Au Ouais. moins 9, je dirais. Neuf? Il y en a peut-être au moins 3 par 7, non, je dirais. Il y en avait aussi dans les quais? Oui. D'accord, je ne me souvenais pas de ça par contre. Je savais qu'il y en avait dans la ville, en effet. Je me souviens qu'on Ici, ils les. sont planqués sous un toit dans lequel je crois. Donc on va prendre Il y ça. avait un toit et tout. C'est quoi cette petite lumière? Je pense que c'est une lumière pour que le poster soit bien visible en fait. Oh, il y a encore un manche de Rouleau de peinture. rouleau de peinture, en effet. J'ai vu la pièce utilisée auparavant, ça sent un peu de câble. Comme ceci donc. Plutôt propre. Plutôt propre. Et on va venir travailler sur l'intérieur. Et tu auras un petit autocollant numéro 35 qui. 35, 35. Et moi, pendant ce temps, je vais travailler sur l'intérieur. Donc, comme je disais, on aura ceci. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Peut-être un petit speaker, même si ça me semble bizarre que ce soit doré du coup. Oui, voilà, comme ça. Tu vas bien centrer? Il est pas vraiment. Non, non, c'est qu'il y a des lignes, t'as un quadrillage. Donc le quadrillage, tu mets parallèle à la pièce. D'accord, chef. Hop. Et donc, autour de ça, on aura des petits. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Ça doit être une sorte de table. Ouais, pour l'instant, c'est pas très très net. Une étagère, peut-être. Parce que je vois qu'il y a plusieurs fois ces pièces-là. Je sais pas du tout. En tout cas, on va ta petite pièce. Merci. Qui est plutôt chouette. Qui est plutôt chouette, en effet. Car en effet, c'est. Une photo de famille de tous les ninjas avec genre Wu qui est à peine visible, le pauvre. Là, il n'y a pas de caille. Mais pourquoi il n'y a pas de caille? Je C'est trop violent. C'est une référence, tu penses? ne sais pas du tout. Parce qu'en plus, il y a Ah, Lloyd. par contre, c'est bon, Jay, il est vert. Non? Il n'a pas une tenue verte, Jay, là? Non, non. Elle est bleue? Non, elle est beige, comme le reste de la. Lloyd et Jay, ils ont une couleur beige sur leur tenue. Bizarre. On dirait une sorte de photo un peu sépia, même si bon, dans ce cas-là, pourquoi ils sont jaunes, quoi? Donc elle s'accroche là. Voilà. Oh, mais Je mon sais pas Loser si c'est une Killer! référence à une photo de saison ou pas, après je peux Numéro imaginer. 20, s'il te plaît. Ouais, je sais pas si c'est peut-être une référence. Ça me semble bizarre qu'il n'y ait Bah ouais, pas c'est le souvenir Kai, à un truc quoi. dans une photo où il était pas là, quoi. Après, les tenues font penser au tournoi des éléments. Les tenues avec les sortes de. Ouais, c'est tournoi des éléments, on dirait. Je sais pas, en tous les cas. Avec Zen Titan, non, je. Bah, Zen Titan, après, tu pourrais prendre n'importe quelle saison après le tournoi des éléments, Oui, mais quoi. là, les tenues sont comme ça. Là, t'as bien le truc comme ça avec Ouais, le. je sais pas. C'est leur tournoi, c'est leur tenue. Écoute, je pense que les commentaires nous diront Leur tenue de tournoi. où est-ce qu'on s'est trompé, comme d'habitude. On va prendre cette pièce-là, donc de fleurs, qui va nous être utile surtout pour placer un pied de Minecraft. Et tout ça, on va l'attacher juste ici.
Et là, on va avoir une 2 par 4 lisse sur laquelle l'Other Killer est en train de poser un autocollant. Oui. Pendant que je continue avec une construction toute rouge. Ah ouais? Et t'es encore en train de raser les meilleures parties. C'est trop violent, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, vous me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. On fait un siège haut de gamme. Avec... un siège de gamer. C'est possible que ce soit un siège de gamer. Donc, c'est-à-dire qu'il va être hautement confortable. Oui, alors moi, je trouve pas, personnellement. Mais... même si c'est pas les meilleurs, en effet. Tu vas y arriver, hein, promis. Hein. Au bout de la 17e. Non, je le mets pas. C'est bien, c'est ok, donc je fais ce que j'avais. Ah oui, tu fais ce que tu avais avec ton set, hein. Ton petit set, tes petits cooms. C'est important que ça pour ton écran. Ah bah oui, hein. Je veux dire, c'est un siège gamer et un écran gamer. C'est pas un siège gamer, c'est plus un siège de cinéma, on dirait presque. Avec les grosses. Donc ça, c'est clairement un title game numéro 1, non? Ou un truc comme ça. Oui, Prime Empire. C'est pas Empire. Il y a la qualité là en tout cas. Après, je sais pas ce que prend le personnage. On dirait effectivement Prime Empire avec un méchant. De... bah, le truc, c'est que c'est un peu bizarre parce que Prime Empire, c'était un truc d'arcade, quoi. Oui, bah, en tout cas, c'est le portage console. Ah, le portage. Ah, bah, il sait qu'il est moins bien alors. Ça dépend de la console. On va placer ensuite. Juste là. C'est donc qui pivote ton super siège de manière. Oui, mais il galère un petit peu sur certains points. Donc il est plus censé pivoter comme ça, je pense. Non, non, je veux pas jouer à Prime Empire. Quand t'as fait ça ? Les pièces là, sur les côtés ? Fixe avec ça. Ah. Voilà. Donc ici, parce que ça continue les trucs cool en fait. On place ça. Oh, t'as fait un petit meuble. Oui, c'est une enceinte, je pense. C'est un meuble télé avec une enceinte, je pense, ou une console. On prend la forme du truc. Un tenon troué. On prend une tige de fleurs. On prend notre chapeau. On insère une fleur dedans. Et on vient positionner. Pourquoi on met une fleur dedans? Pour que le chapeau puisse tenir sur la tige de fleurs. Okay. Et ça nous fait un porte-manteau. Et ça, c'est encore trop cool, quoi. Que des bonnes idées. Hein. Tout propre, en effet. Et c'est pas fini, purée. Mais c'est un truc de fou. Donc, j'avais dû oublier la pièce un peu plus tôt, oui, dans l'étape d'avant, en effet. J'avais oublié trois pièces, on va les placer tout de suite. Ici, on aura une autre fois cette pièce-là, mais en beige foncé, qui va venir s'attacher. C'est pas du beige foncé. Là, c'est du marron. Ça. Ah, ok. Là, on a des petits clips. Des petits clips. Mm-hmm. Ici. Alors là, c'est vrai qu'on a dit call civil, mais c'est call urbain, le mot officiel. Ah, désolé. Hein. Je sais pas, cette call civil me semble un peu plus logique. Mais écoute, oui, c'est bon, je suis. On va voir. Allez. Allez. Ah, crotte. Voilà. Donc, ceci qui va venir se placer ici, donc à quatre tenons de cette partie-là. Donc, je pense qu'on a une bonne idée de ce qui va se passer, quoi. Là, on a une par deux. Alors, normalement, c'est un sous-assemblage, mais comme vous pouvez le voir, je suis un thug. Hop. Comme ceci. Là, on va refaire un sous-assemblage à gauche. Donc, juste ici. Qui consiste à mettre d'autres clips. Hop là, viens ici. Donc, un dans ce sens-là. Et un sur le côté. Et il ne faudrait pas que j'oublie quand même de construire l'élément de. De quoi? Beaucoup de pièces à clips. Oui, en effet. Mais surtout, voilà, construire l'élément qui était dans la 1, 2, 3, l'étape précédente. Oh là là, quelle horreur. Donc on a cette pièce-là. On vient prendre cette petite pièce avec un clip dessus. Et on vient prendre ce robinet doré qu'on attache au centre. Ok. Et enfin, d'ailleurs, non, il ne peut pas coulisser. Hein. Il fonctionne de la même manière que les jumpers. Uh-huh. Et on vient prendre
encore une un movie. clip, je pense, et une pièce comme ceci qu'on va venir attacher ici, qu'on ne va pas venir attacher Non, ça ici. dépend au choix qu'a face des notes hein, aujourd'hui. Et donc l'idée, en fait, c'est que tu regardes par le trou et il y a de l'eau qui te sort dans les yeux. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, tu tournes les valves pour faire la mise au point. Pour mettre plus d'eau dans tes yeux. Exactement. Ça, je veux, c'est ça. Ok. Et pourquoi je veux ça? Parce que on n'a que trois piliers et les nombres impairs, c'est pas bien. C'est sale. Wow. Dur. Et donc on va. Il te manque un truc, je crois. Bah ici, non. Donc pas une hauteur? Non? Ok, d'accord. Donc ce truc, il faut qu'on se mal avec une Non. hauteur de... Et on va prendre de quoi monter un petit peu ici. Par contre, là, tout s'aligne pas correctement. Ah bah oui, si, j'ai bien une hauteur qui manque. Pour une fois, je. C'est rare, mais je peux faire des erreurs. Voilà, la pire astuce jamais vue du siècle, quoi. On est comme ça, du coup. Oui. Et donc, on va prendre sur les côtés. C'est bizarre, par contre. On va peut-être l'orienter un petit peu différemment. Voilà. Voilà, allez bien, une petite arche. Dis donc, Deux espaces ouverts pour pouvoir découper les ouais, figurines dedans. ils ont pas beaucoup de chauffage hein, chez Ninjago, je crois. Hein, ou sinon, leur Bah, facture en chauffage, elle doit exploser, à mon comme on l'a avis. dit, il Hein. pleut jamais, donc je pense qu'il fait toujours beau aussi. Il fait toujours bon, ouais. Ouais, toujours beau, toujours beau. Toujours beau, effectivement, parce qu'il peut faire beau et faire froid en même temps, Ouais, c'est ça. par exemple. Un grand soleil, Aujourd'hui, mais un froid. Terrible. hivernal. Terrible. Terribad. Terrible, même. Bon, bah, je pense qu'on en a à peu près fini avec nos pièces. J'en vois quelques-unes qui traînent, Là, mais par contre, tu as fait un truc qui est lisse, on met rien dessus. là, Non, là. pour le moment. Oui, pour le moment, mais on a fini, donc c'est pour ça que. Non, mais on a fini avec les pièces lisses, enfin, tiles, Mmh, pardon, d'accord. turquoise. Oui. Oui, moi, c'est une par une, en effet. Vrai qu'il nous reste plus énormément de pièces. Donc, à peu près encore 20 minutes de construction. C'est exactement ça. Comme ça. Et là, une par 6. Ah oui. Forcément, à ne pas suivre. Là, on a la une par 4. Allez, une par toi, là, c'est dégueulasse. Merci. On aura ces petites pièces qui ne seront pas lisses parce qu'elles vont être surmontées de ces pièces. Donc, allez savoir pourquoi. Oh. On comprend les petites lunettes et cette fois-ci, on vient placer cette pièce-là en Oh. diagonale dessus. J'avais peur qu'on les oublie quelque part avec la fin, ce soit terrible. On doit tout reprendre. Mais Eh non, bien, visiblement, non. non, du tout. Oula, les trois, t'es sûr? Bah oui, x3. Ok. Oui, moi aussi, ça m'a fait bizarre. Il y en aurait souvent une à la fin en Oh là. plus. Alors, je pensais qu'on pouvait plus les pousser Oui, contre le. c'est propre, hein. Ouais, absolument. Et la Franchement, troisième. par contre, c'est un petit peu parce que l'autre que tu as déjà mise en place, en fait, elle a Elle pas n'a pas le de petites pièces. Turquoise en effet. triple accroche là. Ouais, pour la maintenir non seulement comme ceci, mais aussi lui donner le bon angle. Et donc Wow. ça, on va pouvoir le placer correctement ici. Il nous demande de retourner La structure. et de placer. On voit pas, je pense pas qu'on s'amuse à faire Oui, un non, changement d'angle de caméra vu que c'est c'est pas. des petites pièces qui vont servir à incruster Alors, la on les structure place proprement dans ce cas en dessous. ici. On a une pièce rose. Ici, une autre comme ça. Si on peut ajuster la hauteur, je suppose. On va pouvoir retourner ça. Oh, d'accord, ok, j'ai compris. Oui. Regarde un peu plus loin, c'est les stickers que tu as posés. Je pense que les stickers que j'ai posés. Oui, il y a sur ça
le 50 sur ça, dans ce sens-là, le 59. Mais tu vas peut-être le poser. Hein. Attends avant de le poser celui-ci. Là, il y a 50 déjà. Pose 50. Je vais avancer. Après, effectivement, on parle de sticker. Hein. Par contre, les panneaux publicitaires qu'on a fait là, avant, ils étaient faits sur des pièces orange transparentes. Oui, c'est vrai, c'était du orange maintenant, transparent, en effet. Totalement transparent. Elles sont peut-être plus produites dans cette couleur-là? Non, je ne sais pas. Je ne vois pas ranger ça, mais bon. De base, c'est une pièce comme ça qui aura 48. On est d'accord. De quoi? Il y aura 48 sur une pièce comme ça. Attends. 48, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à ta planche, monsieur? Non, mais je veux être sûr, quoi. Que moi, je ne fasse pas d'erreur. On a ça. On est comme ça. Là, on aura une pièce ici. Je vais prendre celle-ci. Normalement. Attends, je ne vais pas poser le 49 sur ça. Attends. C'est tout le monde. Attends, attends. Vas-y, vas-y. Tu la tiens comme ça et le truc, il doit être ici, là. D'accord, ok. Elle ressemble à quoi, cette pièce? Attends, mais c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, mec. Ça, c'était quoi que t'as pris? Non, attends, attends, attends. Le repose pas, le repose pas. C'est 49. Le 49, il va là, sur cette pièce-là. Laisse-moi juste vérifier que c'est bien ça. C'est ça. Donc, on est comme ça. Il me stresse, le loser, tu vois. Il me stresse. Oui, il faut qu'on se rende compte que les gens comprennent ce qui se passe, déjà. Hop là, on est comme ça. On aura ça. Là, on va placer donc sur ce sticker-là, tu places le 59, s'il te plaît. Avec donc. Oui, mais attends, mais place-le. Oui, j'ai compris, comme ça, avec ça ici. J'ai absolument compris, oui. D'accord, vas-y, bah tiens. Parce que j'en ai besoin en fait, là. Oui, bah. Hop. Parce que je pense qu'on va faire un truc assez cool, à mon avis. Même genre très très cool. Déjà, pour que je mette mes traces au-dessus. D'accord, merci. Si tu pouvais les mettre vitre. Non, je peux pas. C'est bien, là. Non, c'est pas bien. Mais si, il est bien placé, là. Ouais. Ah, mais c'est parfait, au contraire. Il y a un truc, là, qui n'est pas droit. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc, on va prendre cette pièce-là. Et cette pièce-là qui est imprimée, du coup. C'est bon? Même s'il y a un gros tag de blanc forcément dessus. Et on a besoin de voir la transparence en plus, donc. Ah, c'est bon, tu la vois la transparence. Voilà pour notre pièce, donc. Qu'on va venir placer. Ah oui, d'accord. Yikes. Allez, s'il te plaît. Elle n'a pas envie. Ok, d'accord, elle dépasse. Non, non, c'est pas possible. C'est vraiment le nom. What the... Ok. Est-ce que c'est trompé quelque part? Non, c'est qu'il faut l'assembler d'abord comme ça pour qu'elle puisse passer, donc. Comme ceci. Ouais. Voilà. Donc ensuite, on prend cet ensemble-là, donc avec une pièce imprimée avec un ninja de feu, qu'on glisse à l'intérieur. Oh. Et c'est pas fini. On prend cette pièce. On n'en a pas vu beaucoup, hein, des pièces techniques. Hein. Non, en effet. Avec la pièce. Pas plus mal. Oh, c'est pas plus mal, en effet. Oui. Comme ceci, on a notre barre de 2. Ici, on a hop là, notre barre de tiers, un tiers, cruci et circulaire. Ça, on vient le placer là-dedans. Et là, on aura une pièce de cône marron. Comme ça. Ça, on vient l'attacher ici. Là, Oh. Ok, d'accord, c'est super cool. Donc, on vient prendre une autre pièce comme ceci qui a été posée avec son sticker par le sorteur, du coup.
On vient prendre ça et on aura notre pièce lisse noire. Comme ça. Ça, on vient l'attacher ici. On referme là avec ça. Ça. Ça et ça pour notre cabinet d'arcade et quand vous. On va prendre des coups de poing. Waouh! Et donc, ça, on vient juste le poser apparemment. Ah oui, mais non, puisqu'on a le tenon. Donc, on vient le poser en effet. Je sais qu'il y a des bornes d'arcade dans les quais. Est-ce qu'on a vu dans la ville déjà aussi? Je me souviens plus. Oui, peut-être. Là, c'est encore un nouveau type de bande d'arcade. Bah, je pense que c'est la plus complète qu'on ait fait tout court en fait. Hein. On a l'air qu'elle est animée quoi. Bah, elle est super cool et en plus elle n'est pas trop grosse vis-à-vis d'un personnage quoi. Oui, ça la barre qui ressort et pas non plus. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. Et donc on va prendre pour notre dernière partie de la construction des pieds de Goomba en orange. Donc oui, un personnage comme Lego Mario. Lego Super Mario, s'il te plaît. C'est pas juste Mario. C'est Super Mario. Merci. Respect Mario. Respect totalement Mario. Parce que c'est 35 ans d'ailleurs cette année. Ou l'an dernier plutôt. L'an dernier plutôt. D'accord. Ben, bon 36 ans Mario. Ça fait un peu moins. Bon 35 ans et demi. Beaucoup de clips. Ok. Des gros nanogues. Oh. Il n'est pas content. Il ne va être pas content ou alors être. Ou juste. Je préfère comme ça, perso. Hein. Mais apparemment, malheureusement. Ou être polisson. C'est rigolo, ça. On prend une barre rouge. C'est une accroche cruciforme. Ouais, le dessous, c'est une accroche cruciforme. Voilà. On apprend tous les jours. En effet. Même moi, je le savais pas non plus. Alors j'en ai, quoi, donc. Oui, on met un clip là-dessus. Ça, on vient l'insérer en tête à queue. Les mecs, ils sont tellement en train de flex, c'est assez hallucinant, quoi. Mon Dieu. Au moins que la nouvelle génération de designer est compétente, quoi. Ah bah ça, pour être compétente, mon gars. Donc on est comme ça. Là, ils disent de les mettre plus dans ce sens-là. Et là, on aura un petit corps hydroïde. C'est ça, avec un clip dans ce sens-là. Et des yeux de borogne. Merci. Ou des points, si vous préférez. Je préfère œil de borogne, personnellement. Parce que c'est... Il faut préciser que les borogne, c'est des personnages Lego qui ont mis la parole en 2002 et qu'ils étaient ces pièces en tant qu'œil. D'où le terme œil de borogne. On va prendre. On a déjà utilisé cette technique pour le restaurant de chien. Quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une crevette. Elle regarde. Les petites moustaches de la crevette. Est-ce que c'est pas trop stylé? Si, si, c'est des pièces de plume de chevalier. Et logiquement. Et notre crevette va s'installer sur ce clip, mais ça me semble bizarre de l'installer que sur un des deux clips en fait. Ah non hein. Waouh, ça se prend. Un clip. Ah oui, la pièce quick. Mais donc on en a mis deux en fait et l'autre sert plus de cran d'arrêt en fait pour la pièce de guidon. Alors ça me semble bizarre qu'on ait deux fromages par contre. C'est quoi? Fromage gris. Ah. Et je me souviens pas en avoir utilisé surtout en fait, donc je pense que j'ai dû l'oublier. Je vais regarder rapidement si vous en avez pas. Vas-y, fais donc. Oui, je l'ai oublié en effet, ici, justement. Tu veux peut-être qu'on mette call dans le siège? Alors ça par contre, j'aime bien la manette, hein. Elle est vraiment cool. Hein. Mais il peut pas la tenir comme une manette en fait. Non. Et ça me tue à chaque fois. Genre, le truc le plus correct pour l'avoir en tant que manette, c'est genre ça, en fait. Alors, c'est un truc de manette comme ça, par le centre. Ouais. Bah, il va l'éclater au sol, quoi, surtout, je pense, là. Et il le tient comme un clavier, quoi. On le met dans son siège gamer
Pour moi, c'est plus un siège au cinéma, en fait. 3000. Avec les accoudoirs et tout. Elle est vraiment cool cette petite bâtisse, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis Ah ouais? Ah ouais, non, Je pensais franchement, pas que c'était la salle. Hein. T'avais pas vu que c'était la salle j'avais pas de du tout vu que c'était ça pour le la coup. Creation Room. Non, pas du tout. D'accord, ok. Est-ce que ça te dit qu'on le pose? Comme tu veux, t'es chaud pour poser, toi? Ben, je sais pas Tu veux le si. poser? Oh, quoi qu'il y a la structure d'après, ça a l'air de monter Oui. directement, donc on va pas. On le posera une fois qu'elle sera montée entièrement. Oui, on peut juste faire un petit Un tourne autour. tour. Salut! Et donc, je rappelle, petit poster, petite lumière, petite. Ça va mener où, ça? Au musée, ça? Oui, je pense que Avec ça va la se poser caisse? derrière le musée, là. Ça peut être bloquer l'entrée du musée, par contre, je dirais, le temps que l'échelle soit descendue. Le bon plan. Après, ça sent un peu le, tu sais, le genre, le boys room qui est utilisé que la nuit ou des trucs comme ça. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être le QG secret des ninjas, C'est ça. un truc du genre. C'est toujours aussi horrible cette absence de Kai sur la photo, quoi. N'y avait plus de place pour Kai. Mais attends, mais je suis bête, est-ce que ce serait pas lui qui prend la photo? Peut-être ça. Ça peut aussi être ça, effectivement. Bref, je pense qu'on va se quitter sur cette Ouais, on va petite se construction des quitter familles. là-dessus. Comme ça, on verra tout ce qui se passe à l'intérieur, plus la crevette. J'espère que vous avez apprécié regarder la construction autant que moi j'ai apprécié le construire parce que c'était vraiment très très fun. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve tout de suite pour la suite. Ah oh oui, Allez, à absolument. toutes. À plus.